Bon, bah merci, freine. J'ai débroussaillé un petit peu le fond du jardin et l'arrosage automatique c'est déjà réglé pour le soir, hein, donc y'a rien à faire. Ok, bah ça marche, merci. On s'assied à quoi que ce soit, ouais, vous m'appelez. Okay, ça marche. Hein? Allez, bon séjour les jeunes. Merci. Merci. Et à plus. Ah, au fait, si vous voulez venir passer goûter le rosé bio à la cave, vous êtes les bienvenus, hein, c'est ouvert. Bah, avec plaisir. Okay. Ouais. Merci. Bah, allez, bon séjour. Attends, t'es sûr que c'est par là? Ouais, c'est genre à 50 mètres plus haut, t'inquiète. Mais ça veut dire qu'on a toute la côte à monter là? Mais vous êtes sérieuses les filles, c'est moi qui porte tout! Ah, oh, c'est bon là, ça va. Oh. Bon, en tout cas, le coin est vraiment magnifique, hein. Ah bah, on est dans le sud, hein. Regardez un peu le château. Waouh! Ah ouais, pas mal. Sympa. Elle en jette cette maison. Stylé. Tu veux pas attendre 2 minutes là? Ouais, t'inquiète, il reste 10 mètres là, on y est bientôt. Allez. Okay. Voilà, c'est là. Je vous présente. Le paradis. Ouh. Bon, allez. Oh. Viens voir. Cette vue. Ah ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Waouh. T'as vu ça? Non, là c'est bon. J'aime trop. Punaise. C'est hyper beau en plus, non? Ouais, carrément. Oh, bah, c'est bon. On va être bien là tous les deux. Ah ouais, ça va être super là. Super bien situé la baraque. Hein. Oui. Vrai. Il y a quoi idéal pour la lecture là? Je pense une petite photo. Pour lire. Immortaliser la vue. Ce serait parfait là. Écoute, toi, chacun ses occupations. C'est la première fois que je reviens ici. Depuis que mon père il m'a rejeté. Ah, crois-moi gros. Moins on le voit, mieux on se porte. Hein. Oui. Tant qu'il change pas. Quand t'es homophobe, tu risques pas de changer. Bon, allez, restez là. Je vais vous ouvrir par l'autre côté, ok? Ok, mais elle est à tes parents, la maison? Ouais, c'est genre mes grands-parents côté ma mère qui l'ont construit et tout ça. Et puis maintenant, on la partage avec toute la famille pour les vacances. Ah, d'accord. Voilà. Okay, ok. Bon, allez, attendez, je reviens. Ça marche. Bon, les amis, je vous dis bienvenue. C'est parti. Ah ouais, c'est sympa, hein. Waouh. Ah bah, il y a pire que en cuisine, hein. C'est hyper atypique, j'adore. Ouais, c'est assez ancien comme style, hein. Ouais, bah c'est provençal. C'est cosy. Super cool, par ça. Ouais. Alors là, la meilleure pièce de la maison. Attends, faut que j'aille ouvrir les volets. Attends, je vais t'aider. C'est hyper beau. Ah ouais, là c'est super sympa. Et il y a toujours ce petit côté provençal aussi. Ouais, ouais. Et puis en plus, regarde, t'as la vue ici. C'est ça? Genre super beau là. Waouh. Bon, alors, je voudrais pas faire le chieur, mais genre pour qu'on s'entende bien, il y aurait 2-3 règles à respecter. Ouais, pas de souci. La première, on fume pas. Okay. La journée, quand il y a le soleil, il faudrait fermer les volets histoire d'éviter d'abîmer les meubles. Ouais. La salle de bain, on l'aère, histoire d'éviter l'humidité avec les champignons. Stop. Et puis c'est tout. On devrait bien s'entendre, non? Arrête, Camillo, arrête. T'as entendu, Camillo? Quoi? Les règles pour la maison.
Non, non, mais de toute façon, je ferai attention. Hein. Oui. Ah, et ouais. Surtout, on fait super attention à ce saladier. C'est la fierté de ma mère, donc... on n'y touche pas, quoi. Ok, okay, t'inquiète. Ok, okay, c'est pas marche. Ah, c'est ma grand-mère. Salut, mamie. On peut y aller à pied à la plage? Ouais, là, carrément, c'est genre à 10 minutes d'ici. Tu passes par des petits chemins, tu verras, c'est oui, sympa. Oui, on est dans la ok, ville. Cool. Ah, le voyage n'était pas trop fatigué. Non. Toujours avec lui. Tu les as pas déjà tous lus? Non, écoute, pas dans celle-là. Pas dans celle-là. Mais toi, t'en as combien ici? Franchement, à part le petit Nicolas, il n'y en a pas un autre. Écoute, Camillo, tu m'impressionneras toujours avec ta culture, hein. Attends, il y a des cartes. Alors, à vrai dire, je connais que sa mère. Ouais, genre. Bah oui, parce que son père, il vit plus du tout chez eux. Ah, bon. Mm-hmm. Dis-moi, ils sont au courant que c'est ton anniversaire dans quelques jours? Non, je crois pas. Ah, il faut leur dire, hein. Oui, oui, je leur dirai. Pas de soucis. Bon, ma petite chérie, je te souhaite de passer de très belles vacances. Hein. Ça marche. Bah, je te fais de gros bisous, mamie. Tu nous fais visiter les nages? Vas-y, je suis chaud. D'accord. Allez, on est parti. Hey, tu penses que je peux prendre cette chambre-là ou pas? Bah écoute, les garçons sont montés, donc ouais, tu peux la prendre. Ok, cool. Non, parce que je l'aime vraiment bien. Non, elle est cool, hein. Ah, d'ailleurs, viens voir. Je pense que celle d'à côté, elle serait parfaite pour toi et Camillo. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, sympa. T'aimes bien? Ah non, elle est super cool, hein. Elle est géniale. Ah, au fait, j'ai entendu dire que c'était bientôt ton anniversaire. Ouais, c'est le 11. Le 11? Ouais. Ok, ça marche. Ah ouais. Sympa comme chambre, hein. Ah ouais, la vue de fou. On la partage? T'en parles avec Laura. Ça marche. Je vous laisse. Normalement, c'est ma chambre, mais... Mais si tu veux, on la partage. Ouais, non. Mais si tu veux la prendre, prends-la, hein, t'inquiète. Non, mais c'est bon, t'inquiète, je t'aide. Ok, merci. Non, en fait, là, tu m'étouffes. Non, mais en plus, quelqu'un pourrait nous voir, là, tu vois. Qui ça? Bah, n'importe qui. Vas-y, tu saoules. Tu vas, je peux te montrer un truc? Attends, je suis juste là dans deux secondes. C'est bien? Sympa. Là, je l'ai bientôt fini, mais je pourrais te le passer après si tu veux. Ouais, je veux bien, le mien m'emmerde. Si tu veux, je peux t'en lire un passage. Assieds-toi.
Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malignement, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnait d'aise, ses petits pieds si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonné, papillonné dans son sourire et sur son sein mouche rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en clair tri, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvaient. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Au vrai palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre, en arrière, en s'est encore mieux. « Monsieur, j'ai deux mots à te dire. » Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Et les grands arbres indiscrets, aux vitres, jetaient leurs feuillets, malignement, tout près. Ouais, c'était bien. Vas-y, montre. Je vais également l'assister vraiment très très légèrement, uniquement pour camoufler. Non mais, tu vas pas te maquiller? Bah, enfin, pourquoi pas? Enfin, pour le fun, tu vois. Non mais t'es sérieux? Bah ouais. Je veux vraiment fixer mon maquillage. Pico, quoi? Tu vas mettre un string un peu ou quoi? Ça, j'en porte déjà. T'as besoin d'un truc? Non, t'inquiète, c'est bon. Ok, ça vous dirait pas un apéro là? Ouais, carrément, très bonne idée. Bah, c'est parti, hein. J'arrive, hein. Tu veux pas mettre un t-shirt? Pourquoi? Il fait bon, non? Non, mais en fait, tu me colles. Bon, sinon, vous voudriez faire quoi? Du jet ski? Ça serait cool, non? Non, mais c'est super cher aussi. Et c'est pas très très écolo. Non, mais sinon, on pourrait louer des vélos et faire un tour. Carrément, ouais. J'aurais bien aimé visiter un musée s'il y en a un dans la région. Tu peux aller tout seul si tu veux. Non, mais si tu veux, il y a le musée des gendarmes à Saint-Tropez. Ah ouais, genre avec les gendarmes à Saint-Tropez? Ouais. C'est trop cool. Merci. Là, il est bon ce rosé en tout cas. Ouais, il est bon. Ouais, franchement, il sait se boire. Hein. Merci. Ça vous gère pour la prochaine fois d'essayer le rosé de Fred? Je préfère quand c'est bio et je pense qu'il est meilleur. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Hein. Et honnêtement, je pense qu'il sera pas dans des emballages plastiques. Ouais, mais en vrai, il sera juste plus cher. Hein. Tu préfères pas soutenir des producteurs locaux comme Fred? Là, je dois dire que je suis d'accord avec Leïla. Hein. Ouais. Bon, on n'y a pas pensé. On ira chez Fred la prochaine fois. On n'avait pas parlé d'aller en boîte? Oh bah si. Je vais pouvoir aller tester le gaillot maintenant que j'ai 18 ans. Puis ça va serrer, comme ça. Le gaillot? C'est pas un peu gay, ça? Moi, tu sais, c'est une boîte, hein. Il y a un peu de tout. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde n'est pas hétéro comme toi. Bah, crois-moi. Même avec une copine, c'est compliqué. Skate? Ouh! En fait, tu fais toujours du violon? Non, j'ai arrêté. Ah bon, comme ça? Bon, allez, Camille, parle-nous de tes problèmes de couple. T'as changé? T'es psy, toi, ou quoi, maintenant? Non. Écoute, j'ai ça pour t'aider, hein. Tu t'en es lassé, alors? Bah, parle avec elle.
Je crois qu'elle en a plus besoin. Par exemple, c'était pas vraiment mon truc, et puis c'est mes parents qui voulaient que je fasse de la musique, tu vois. Ah, ok. Ça peut s'envisager. Ben, c'est surtout que moi, je suis attirée par les arts visuels, en fait. Donc là, je fais un book pour rentrer dans une école d'art. Ah, mais c'est super. Bah, moi, je prends des cours de chant. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est cool aussi. Ouais. Mais là, du coup, tu peux chanter un truc? Non, pas tout de suite. Allez, une petite. Bon, on verra plus tard. Ok, ça me cache. T'en es où, toi, dans ton book? Bah là, je suis en train de faire une série de portraits. D'ailleurs, tu voudrais pas poser pour moi? Moi? Ouais, je sais pas, c'est une idée comme ça, tu vois. Bah, j'aime pas trop qu'on me regarde. Comment ça? Bah, genre, tu sais, se sentir observé, ça me gêne un peu. Ah non, mais t'inquiète, ça sera rapide, 2-3 clics et puis c'est bon. Et non. Ok, ça marche. Cool. Bon, et toi, Nathan? T'en es où? Ouais, je reste ouvert. Mais... Ouais, là, je dirais que je m'ennuie un peu avec les mecs. Ouais, t'inquiète, hein. T'es jamais à l'abri de nouvelles rencontres. Ou même de retrouvailles. C'est pas faux, ça. Mais que nouveau ce retour. Ouais, enfin, ça a toujours été la personne avant le sexe, quoi, mais... Là, je me sens juste mieux avec les filles, quoi. Donc, Ok. Ah, il tape ce vent. Santé. Ah, clairement, là. Santé, les filles. Santé. Je connais les femmes, ils leurs attrapent. Je connais leurs fils et leurs attaches. T'inquiète, je suis fidèle, même de sortir en boîte. Jusque je m'ennuie un peu quand ils passent pas de la trappe. Je crois que je t'aime bien, laisse-moi bouffer ton corps. Je crois que je t'aime bien, laisse-moi bouffer ton cœur. C'est pas si terrible, j'adoucirai tes peurs. Longtemps à la dérive, j'adoucirai tes pleurs.